veux aller chercher justement une certaine atmosphère dans mes photographies, mais surtout pour créer une image qui est différente des autres photographies. Fait qu'en fait, je viens tout juste de finir ma conférence, en fait, au club photo de Chaudière-Appalaches. C'est un peu weird, en fait, pour cette capsule-là, parce qu'en fait, j'avais prévu... Bon, là, on commence un peu par la fin, je vous parle, puis en fait, j'ai déjà terminé ma conférence. Mais c'est qu'en fait, dès que je suis sorti de la voiture, j'ai rencontré des membres du club, on a commencé à jaser. Fait que finalement, bien, j'ai pas vraiment pu tourner ma portion avant de commencer ma conférence. Bon, moi, quand je parle de ma passion, la photo de nature plus particulièrement, c'était un peu difficile de m'arrêter. Fait qu'en fait, ben, j'ai jasé vraiment jusqu'au début de la conférence. Fait que ben, finalement, ben, c'est ça, j'ai pas vraiment tourné de séquence avant de faire ma conférence, en fait, qui s'intitule « La recherche d'ambiance en photographie animalière ». Ça a été vraiment un super moment, un superbe groupe. Peut-être, je sais pas, peut-être quasiment une quarantaine de personnes. Donc, c'était vraiment c'était super, super interactif. Beaucoup de questions. Les gens étaient super intéressés. C'était vraiment, vraiment, vraiment le top. C'est le fun de faire vraiment. Tu sais, comme ici, c'est 1h15 de route de chez nous. J'arrive un peu, je suis un inconnu. En fait, je connaissais pas vraiment les gens qui étaient. Moi, personnellement, en tout cas, je connaissais pas les gens qui étaient là. Puis. Donc, c'était super intéressant d'avoir une très belle réception comme ça à ce niveau-là. Puis comme je le disais, ben, partager ma passion, moi, c'est toujours un grand privilège. Ça fait que c'était vraiment bien. Bon, ben voilà, merci beaucoup au Club Photo de Chaudière-Appalaches pour l'accueil. C'était super, super apprécié. Puis on se dit, bon, à la prochaine. Allez, bye!